passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Peu importe où que vous soyez, la team Dada est toujours heureuse de vous accueillir. Et on retrouve tout de suite le foot anglais avec ce duel d'IFL League 2, Bradford City contre Harrogate Town. C'est une bonne prestation de l'équipe locale. Un bon départ, c'était... Attention, voilà un bon duel. Et bon passant, ça part vite, ça part fort, quelques minutes de jeu et déjà un but. Vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de possibilités. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et ça peut être dangereux. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Ouais, pas de détente verticale pour aller chercher le ballon. Le corner. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. La récupération haute, le pressing est payant. Oui, le bon geste défensif. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Face à face avec le gardien. Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur est trouvé, l'attaquant dans une position idéale. Et derrière, Laurent comprend un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et une possibilité là pour centrer. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils sont pas contents. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Il dépose l'adversaire là. Oui, le tir. Oh, c'est bien défendu. Le corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Le ballon change de camp. Attention à cette passe. Il s'empare du ballon. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe
pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Bon ballon là, donné dans l'espace. Très dommage, c'était une belle passe. L'arbitre a vu le hors-jeu là. La sensation de danger était présente dans cette action. La passe était prometteuse, mais la course était précipitée. Ah, le ballon change de propriétaire. Ah, c'est bien fait ça. Ouais, superbe défense. Le drapeau qui s'est levé, hors jeu signalé. La passe a été donnée trop tôt. Ça lui a pas laissé le temps de se replacer. Ballon récupéré sur cette action. Et bien vu, la passe en profondeur. Ah, il n'est pas bien donné ce centre et le gardien se saisit du ballon. Davis. Oui, bien fait ça. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. La récupération haute, bon pressing. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et ça sort, l'arbitre indique un corner. Le corner. Et avec de la réussite, le ballon dévié par le défenseur. Et ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Et on s'arrêtera donc là-dessus, c'est la mi-temps de ce match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant. Ouais, bonne intervention là. Et Manchester City confirme à l'instant ce qui se murmurait depuis un moment. C'est un phénomène. Et on parlait depuis un moment de son transfert. C'est fait et maintenant il va falloir confirmer les attentes et les investissements. Ah, bien joué dans la profondeur. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et la défense s'en sort. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Voilà, le remplacement intervient. Corner. Ah, et la bonne intervention pour soulager son équipe. Super pressing et la récupération très haute. Ah, la bonne frappe. Ouais, c'est... Attention, pénalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde.
Le pénalty n'est pas transformé, ça passe au-dessus. Il faut s'appliquer beaucoup plus sur un pénalty. Eh bien fait, quelle ouverture! Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Oh, et le face-à-face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Ah, il bien frappé ce corner. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Ah, la frappe, ça part bien. Ah, le ballon traîne, attention. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe ira. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. La pression sur le porteur. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Oh, la frappe au but. Eh oui, le bon réflexe. Un peu de coaching avec ce changement. C'est bien parti pour ce corner. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Ah non, là, la balle qui est perdue. Super progression dans la moitié adverse. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade! Le jeu est interrompu pour un remplacement. Ballon vers la surface. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. Et il remporte son duel, bien défendu. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Taylor. Davis. C'est une transmission bien coupée. Et voilà, c'est encore perdu ce ballon. Davis, et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. 5 minutes de temps additionnel. Et voilà, un ballon qui est intercepté. Ah, il y a de l'espace sur le côté.
Allez, depuis l'aile, il repique dans l'axe. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Et voilà, l'arbitre met un terme à la rencontre. L'équipe remporte cette victoire sur son terrain. Tout va bien pour cette équipe. On dit oui au football, oui à la vie et oui au classement. Ah, sa performance aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, une masterclass du début à la fin. Poésie, magie, romantisme, il y a tout dans sa performance du jour. Son aisance, sa fluidité, son intelligence a mené son équipe à la victoire.